Je m'appelle Terence Béguin, je suis pharmacien, diplômé de la faculté de pharmacie de Lille et j'ai un doctorat en chimie médicinale. Je suis actuellement président de la société Apteus qui a été créée en 2014 et qui émane d'une unité de recherche labellisée par l'INSERM, l'Institut Pasteur de Lille et l'Université de Lille. Mon métier consiste à manager une équipe de chercheurs dans le domaine de la découverte de médicaments. Et à côté de ça, en tant que président d'une société privée, je dois m'occuper de toute la partie administrative. Mon quotidien consiste à interagir avec beaucoup de monde par le biais des échanges de mails et des échanges par téléphone afin de mener les travaux de recherche en collaboration avec plusieurs équipes internationales et puis d'échanger également avec l'équipe en place ici pour designer, réaliser, interpréter les expériences qui sont faites dans le cadre des travaux de recherche. C'est très intéressant parce que la société Apteus développe une activité qui est vraiment à l'interface entre la recherche et la médecine dans le domaine de la pharmacie, puisque notre activité s'adresse directement aux patients à travers leurs associations. Ayant été chercheur dans l'académique dans un premier temps, ma carrière a surtout évolué dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc je suis devenu petit à petit un chef d'entreprise. La nécessité d'être polyvalent et la possibilité d'exploiter la transdisciplinarité que l'on a acquis durant nos études de pharmacie. Comme tout chercheur, il faut être courageux parce que la recherche est faite de beaucoup d'échecs. Donc il faut beaucoup de courage et de motivation. Mais en discutant avec les patients pour lesquels on travaille, on a beaucoup de motivation au quotidien. J'ai toujours voulu faire de la recherche et me rendre utile le plus rapidement possible et je pense qu'à travers cette création d'entreprise, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je leur conseille de faire des stages, de découvrir toutes les possibilités à travers les différents stages de leurs études de pharmacie. Un avenir très prometteur, je pense qu'on aura toujours besoin d'une activité de recherche dans le domaine de la médecine.